À tous et à tous, nous vous présentons nos chaleureuses salutations. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté derrière moi, à travers par le biais aussi de certaines demandes des internautes, il est question de travailler sur les feuillus de cils, autrement dit, quelques éléments de feuillus de cils. Alors pourquoi justement quelques éléments? Parce qu'il y a des centaines et des centaines, je dirais même des milliers de feuillus de cils. Alors avant de nous plonger au cœur de ça, comprenez une chose. D'abord, les figures de cils, comme son nom l'indique, c'est comme la métaphore de cette figure-là. Chaque figure a une tâche, une mission, un objectif bien déterminé. Par exemple, ça, nos amis musulmans, ça sert à prier, ça sert à attirer de l'air, ça sert à s'exprimer, à boire, etc., à manger, ça sert à écouter, etc. C'est comme ça qu'il faut comprendre les figures de cils. Alors, la densité des figures de cils permet d'analyser dans le but de connaître le vrai sens du texte en quelque sorte. Autrement dit, ça permet de mettre en valeur le sens du texte, le fond du texte, le discours, l'idée exprimée ou bien la valeur exprimée. Alors, mais concernant ces axes, quel que soit alpha, les figures tournent autour de trois grands ensembles. Quels sont les trois grands ensembles? Nous avons les figures d'analogie ou de substitution, comme vous voyez. Deuxièmement, on peut avoir les figures d'amplification ou d'atténuation. Et troisièmement, nous avons les figures d'opposition. J'ai bien dit, les figures tournent autour de trois grands ensembles. Premièrement, les figures d'analogie ou de substitution. Deuxièmement, les figures d'amplification ou d'atténuation. Et enfin, on peut avoir les figures d'opposition. Alors, comme vous l'avez constaté ici, nous avons les figures d'analogie ou de substitution. Que signifie analogie? Dans analogie, nous avons le verbe analyser. Ce sont les figures qui servent à analyser. Nous avons aussi les figures de substitution. Substitution veut tout simplement dire remplacer. Ce sont les figures qui servent à remplacer. Alors, parmi ces figures, les plus régulières, en tout cas les figures qu'on retrouve souvent dans les textes poétiques, ou bien ceux romanesques, ou bien dans les textes théâtrales, nous pouvons avoir ces figures-là. Premièrement, on peut avoir la comparaison. On peut avoir la métaphore, nous pouvons avoir la personnification, nous pouvons aussi tomber sur la périphrase ou bien ce qu'on appelle la métonymie. Alors, qu'est-ce que la comparaison? La comparaison consiste à comparer deux éléments avec la présence d'un outil comparatif qui s'appelle comme. Mais attention, ça ne s'arrête pas sur comme seulement. C'est-à-dire, parmi ces outils comparatifs, on peut avoir tel, on peut avoir pareil, on peut avoir autant que, comme ça. On peut avoir aussi que, on peut avoir, mais aussi, on peut avoir semblable. Si jamais l'élève voit que nous avons un élément qui est là, un élément qui est là, on essaie de les comparer avec l'outil comparatif, comme j'ai dit tantôt, tel, comme, pareil, autant que, aussi que, semblable, etc. Là, nous avons une comparaison. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? La victoire, c'est le premier élément. Te suis comme, c'est l'outil comparatif. Ton nombre, c'est le deuxième élément. Nous avons le terme comparé et le terme comparant. Dans ce cas, nous avons ce qu'on appelle la comparaison. Qu'est-ce qu'une comparaison? Cette figure consiste à comparer deux éléments avec la présence d'un outil comparatif. Comme j'ai dit tantôt, il y a aussi ce qu'on appelle les autres outils qui sont là. Deuxièmement, nous pouvons avoir une métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? Une métaphore n'est rien d'autre qu'une comparaison sans outil comparatif. Comme j'ai l'habitude de le dire en classe d'ailleurs, la métaphore, c'est la petite fille de la comparaison. Ou bien la métaphore, c'est l'opposé de la comparaison. Pour la seule et simple raison, cette figure consiste à comparer des éléments sans la présence d'un outil comparatif. Là, qu'est-ce qu'on dit pour faire un clin d'œil à Guillaume Apollinaire? Ça, c'est extrait de La mort de Chaka de Seydou Badian. Ici, Guillaume Apollinaire, dans Océan de Terre, qu'est-ce qu'il nous dit? Les avions pondent des œufs. Là, il compare les œufs à des bombes. Forcément, on n'a pas l'outil comparatif, ni comme, ni tel, ni pareil, ni autant que. Forcément, nous avons ce qu'on appelle la métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? C'est une comparaison sans outil comparatif, en quelque sorte. Troisièmement, nous avons la personnification. Dans personnification, nous avons le mot personne. Alors, que signifie la personnification? Cette figure consiste à attribuer les caractéristiques de l'être humain à un animal ou à une chose. J'ai bien dit, la personnification consiste à attribuer les caractéristiques de l'être humain à un animal ou bien à une chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Victor Hugo? Alors, il dit, je pars et je refroidis sous ce soleil joyeux. Le soleil, c'est la chose, mais la joie est attribuée à l'être humain.
Dans ce cas de figure, forcément, puisque le soleil, c'est une chose, la joie est attribuée à l'être humain. Nous avons ce qu'on appelle la personnification. On peut dire, le soleil pleure en quelque sorte. On peut dire, sous ce soleil, joyeux comme il a dit. Le soleil est en train de pleurer. Le tonnerre est en train de rire. Les serpents sifflent. Les arbres murmurent. Le portable voyage. Si vous voyez que c'est attribué aux caractéristiques, ce qu'on appelle de l'être humain, à une chose ou bien à un animal, nous avons ce qu'on appelle la personnification, comme j'ai dit tantôt. Le soleil, c'est une chose. La joie est attribuée à l'être humain. C'est la raison pour laquelle nous avons la personnification. Encore une fois, qu'est-ce qu'une personnification? Cette figure consiste à attribuer les caractéristiques de l'être humain à un animal ou bien à une chose. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la périphrase. La périphrase consiste à mettre en valeur plusieurs éléments pour ne traduire qu'un seul. Ici, dans les fleurs du mal, que dit Charles Baudelaire? C'est roi de l'azur. Là, il fait allusion aux oiseaux qui s'appellent les albatros. Il les appelle ces rois de l'azur. Qui suis-je? Les albatros. Le chef de file du mouvement romantique. Qui suis-je? Victor Hugo. Le grand poète noir, président de la République du Sénégal. Qui suis-je? Nous avons M. Léopold Sédar Senghor. Dans ce cas de figure, comprenez une chose, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'une périphrase? Cette figure consiste à mettre en valeur plusieurs éléments pour ne traduire qu'une seule. Encore une fois, ces rois de l'azur, Baudelaire fait allusion à l'albatros, les oiseaux qui s'appellent les albatros. Le chef de file du mouvement romantique, Victor Hugo. Le porte-parole du mouvement symboliste, nous avons Stéphane Mallarmé. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la métonymie. La métonymie n'est rien d'autre que le contenant pour le contenu ou vice-versa. C'est-à-dire le contenu pour le contenant. Alors, dans ce cas de figure, ici, que dit Victor Hugo? Je ne regarderai ni les voiles, je ne regarderai pas les voiles au loin descendant vers la fleur. Quand Hugo dit voile, il fait allusion au bateau. Ça, c'est le contenu pour le contenant. Quand il dit à fleur, il fait allusion à ce qu'on appelle au port qui se trouve en France. Pourquoi c'est une métonymie? Parce que les voiles, il faut allusion au bateau. À fleur, il fait allusion à un port, il fait allusion à la mer. Parce qu'il ne veut pas se rappeler la manière dont sa fille est morte. Léopold, je vous rappelle que cette fille, sa fille est morte noyée. Dans ce cas de figure, nous avons la métonymie. Pour confirmer quelques autres exemples, si on dit j'ai lu Zola, c'est-à-dire j'ai lu Germinal. J'ai lu Hugo, c'est-à-dire j'ai lu les Contemplations, ou bien les Châtiments, ou bien les Ondes et les Balades en quelque sorte. Donc, c'est ça qu'on appelle la métonymie. Qu'est-ce qu'une métonymie? C'est le contenant pour le contenu, vice-versa. Un autre exemple, passez-moi le seau. Je n'ai pas besoin du seau, mais j'ai besoin de l'épaisse que tu trouves dans le seau. Ou bien, ramène le plat. Je n'ai pas besoin du plat, mais j'ai besoin de ce qu'on appelle du repas qui se trouve dans le plat. Ou bien, donnez-moi un verre. Je n'ai pas besoin de ce verre, encore une fois. Qu'est-ce que ce dont j'ai besoin? J'ai besoin du liquide qui se trouve dans le verre. Ça peut être du lait, ça peut être du café, etc., etc., etc. Mais le problème ne se trouve pas là. Où se trouve le problème? L'élève a pu lui poser la question, qu'est-ce qu'une comparaison? Il réussit. La comparaison consiste à comparer deux éléments avec la présence d'un outil comparatif. Qu'est-ce qu'une périphrase? Il dit, c'est une comparaison sans outil comparatif. Qu'est-ce que la personnification? Elle consiste à attribuer les caractéristiques de l'être humain à un animal ou bien à une chose. Qu'est-ce qu'une périphrase? Elle consiste à mettre en valeur plusieurs éléments pour ne traduire qu'un seul. Qu'est-ce que la métonymie? C'est le contenant pour le contenu ou vice-versa. Mais où se trouve le problème? On pose la question à l'élève, identifier les noms des figures de style, puis donner l'effet produit par chacune d'elles, ou bien la valeur produite par chacune d'elles, ou bien le sens produit par chacune d'elles. Là, ça passe problème. Maintenant, pour tester un peu, si on dit la victoire te suit comme ton nombre. Comme j'ai dit tantôt dans mes explications précédentes, ce verre a été extrait de la mort de Chaka. De Seydou Bagna, bien entendu, derrière sous l'orage. Quand le griot dit au roi la victoire te suit comme ton nombre, il veut lui faire comprendre que l'effet produit par ces figures de style ou bien la valeur, ce roi sort toujours victorieux de ses affrontements, ou bien ce roi sort toujours victorieux de ses combats, ou bien ce roi sort toujours victorieux de la guerre. Il est toujours ce qu'on appelle le grand gagnant. C'est ça qu'on appelle la valeur exprimée. Encore une fois, ne regardez pas les mots, mais il faut percer les mots. C'est la raison pour laquelle on dit l'essence. Maintenant, si on dit les avions pondent des œufs, quelle est l'idée exprimée par cette figure de style? Quel est le fond? Quelle est la valeur? Quel est le message dont veut dégager Guillaume Apollinaire? En période de guerre, les avions lancent des bombes. Là, ils remplacent les œufs par une bombe. Ça, c'est la valeur exprimée. Ce sont les bombardements lors de la Première Guerre mondiale. Alors, troisièmement, nous avons « Je pars et je refroidis sous le soleil joyeux ».
Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelle est la valeur exprimée par cette figure de style, dégagée par Victor Hugo, bien entendu? Cette figure, ou bien, cette figure exprime l'idée selon laquelle, n'est-ce pas, l'auteur, ou bien le poète, ou bien la personne, part prendre un peu de l'air, ou bien un bain de soleil, autrement dit, il se libère. C'est la raison pour laquelle il dit « Je pars et je refroidis sous son soleil. » Je dis « Je vais aller me changer les idées en quelque sorte. » C'est la valeur exprimée par cette figure de style. Quand Baudelaire dit avec la périphrase « C'est roi de l'azur. » Quelle est l'idée exprimée? C'est très simple. C'est-à-dire si on dit roi, c'est-à-dire tu es au-dessus, tu es ce qu'on appelle le prince, tu es sans ce qu'on appelle de la maîtrise en quelque sorte. Donc la valeur exprimée, l'idée exprimée par cette figure de style, c'est la maîtrise. C'est la raison pour laquelle il les surnomme les rois de l'azur. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, il fait allusion aux oiseaux qui s'appellent les albatros, qui sont en pleine mer avec ce qu'on appelle les marins. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la métonymie. Je ne regarderai pas les voiles au loin descendant vers la fleur. Autrement dit, la valeur exprimée par cette figure de style, cela veut dire que le poète n'a plus goût à la vie. Encore une fois, si on demande d'identifier les figures de style, donnez-les non seulement, mais si on demande d'identifier les figures de style, puis donner l'idée exprimée par chacune d'elles, on donne d'abord cette figure et on dégage ce qu'on appelle la valeur exprimée, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure. Après ces figures de style, les figures d'analogie et de substitution, on a le grand 2, comme j'ai annoncé lors du discours inaugural. Nous avons ce qu'on appelle les figures d'amplification ou d'atténuation. Dans amplification, nous avons amplifié, ce sont les figures qui servent à exagérer. Nous avons les figures d'atténuation, atténuation, nous avons adoucir, donc ce sont les figures qui servent à adoucir et à exagérer. Maintenant, par rapport à ces figures, on peut avoir la litote. Qu'est-ce que la litote? La litote veut tout simplement dire le fait de dire moins pour faire entendre plus. Par exemple, si nous prenons le site de Corneille avec Don Dieck et ce qu'on appelle Don Gomez, les deux vieux qui avaient des soucis. Alors, c'était des parents, des beaux parents, bien entendu. Parce que Don Dieck est le père de Chimène. Don Gomez est le père de Rodrigue. Don Gomez est le père, ce qu'on appelle, de Chimène. Mais les deux avaient des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Don Gomez il a malmené Don Dieck. Maintenant, que fait Don Dieck? Don Dieck ne peut pas riposter. Il part voir son fils, Rodrigue, le père de Chimène. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas me venger puisque ton futur beau-frère m'a malmené. Soit tu le choisis, soit tu me choisis. Que fait ce qu'on appelle Rodrigue? Il écoute son papa, il part tuer le père de Chimène, celui qui deviendra sa femme. Maintenant, lorsqu'il est allé voir Chimène pour lui demander de se venger parce qu'il a tué son père, Chimène a préféré écouter son cœur. Après avoir discuté avec Rodrigue, lorsque Rodrigue part, Chimène dégage la séquence suivante. Va, je ne te hais point. Là, elle dégage ce qu'on appelle la litote. Il y a le verbe haïr, mais le verbe haïr est adouci par la négation de point. Là, c'est une litote. Quand il dit va, je ne te hais point, quelle est l'idée exprimée par cette litote? C'est le pardon en quelque sorte. Maintenant, après la litote, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle la répétition. Excusez-moi, l'énumération. Qu'est-ce que l'énumération? L'énumération consiste à dégager plusieurs éléments en se souciant ni de l'ordre croissant, ni de l'ordre décroissant. Qu'est-ce qui, par exemple, si nous prenons le cas de Victor Hugo dans Demain le loup, qu'est-ce qu'il dit? Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Là, vous avez senti que seul inconnu, il y a une virgule, le dos courbé, il y a une virgule, les mains croisées, il y a une virgule. Quelle est l'idée exprimée par ce qu'on appelle cette énumération? Nous avons ce qu'on appelle la solitude, c'est le poète. Donc, dans les figures d'amplification et ou d'atténuation, j'ai cité la litote. J'ai dit, qu'est-ce que la litote? C'est le fait de dire moins pour faire entendre plus. Comme Chimène a dit ce qu'on appelle à Rodrigue, va, je te hais point. Quelle est la valeur exprimée par cette figure de style? Nous avons ce qu'on appelle le pardon. Maintenant, l'énumération, il s'agit d'énumérer des éléments en se souciant ni dans l'ordre croissant, ni ce qu'on appelle dans l'ordre décroissant. L'exemple de Victor est là, comme j'ai dit tantôt, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Quelle est l'idée exprimée? Quelle est la valeur de cette figure de style? Nous avons ce qu'on appelle la solitude. Alors, après cela, on peut avoir la graduation. Qu'est-ce qu'une graduation? La graduation, c'est presque l'antonyme de l'énumération. La graduation veut tout simplement dire énumérer des éléments en se souciant soit de l'ordre croissant, soit ce qu'on appelle dans l'ordre décroissant. Par exemple, si on dit « j'étais écolier, je suis devenu un collégien, j'aspire à devenir un lycéen ». Là, nous avons ce qu'on appelle l'écolier, nous avons le collégien, nous avons ce qu'on appelle le lycéen. On a énuméré des éléments, mais vous avez senti qu'à force d'avancer, ce qu'on appelle un monde. Maintenant, ou bien, toujours dans le site de Corneille, qu'est-ce qu'il dit? Va, cours, vol et nos vaches. Alors, va est plus lent que courir, cours est plus lent que voler. Là, nous avons ce qu'on appelle la graduation. Après la graduation, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons l'exagération ou bien l'hyperbole.
Qu'est-ce que l'exagération comme son nom l'indique, ou bien l'hyperbole? C'est le fait de dégager ce qu'on appelle des éléments en dépassant le cadre de la raison, comme dit ce qu'on appelle l'autre, les parents vont me tuer, les parents ne vont tuer personne. Là, tu exagères. Alors, quelle est l'idée exprimée? C'est la peur en quelque sorte. Malheureusement, nous serons obligés de nous arrêter au fond de notre discours. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube pour provoquer la continuation sur les figures de style. Je vous remercie de votre attention.